qui se lève malgré ce temps à Légoussine, parce que là, vous voyez, il est 10 heures. Regarde le brouillard. Imaginez alors ceux qui se sont levés très tôt, 4 heures, 5 heures. Au rond-point, prendre la bretelle. 5 heures du matin pour aller bosser. Le froid, le brouillard, tout ça. Restez à droite à l'embranchement. Vraiment. Donc je voulais vous faire un petit coucou hein, ce matin. Vous annoncer que cette semaine, vraiment, ça va être la semaine d'attaque. Voilà. Bonjour, hein, voyez les cœurs, c'est Kaki. Alors, pour ceux qui découvrent ma page, je m'appelle Marie Regnangono, alias Coco Lago. Voilà, la seule et l'unique gladiatrice culinaire du Cameroun transformée en gladiatrice et camp. J'ai dit, appelez-moi légionnaire. Oui, oui. Parce que dans le combat patriotique, chacun a son nom. Voilà. Chacune prend son nom qui la représente. Moi, je suis la légionnaire. Donc, légionnaire, c'est sans attache, sans rien. Voilà, unique dans son genre. Une place. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes les enfants de Babouloulia. Avant de naître, on était déjà avec Babouloulia. Dans notre vécu, même dans notre vie, nous sommes avec Babouloulia. Même après, nous serons toujours avec Babouloulia. Pourquoi? Parce que quand son excellence Amadouaï Diop a son âme, mon père chéri aussi est parti. Il a laissé le Cameroun en paix comme pour le mien. Qui a su nous gérer malgré tout, 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 tout. Il a su nous gérer. Et nous n'avons jamais eu. Dans 600 mètres, restez sur la file de gauche pour continuer sur la 15. Voilà. Continuez sur la 15. Donc le Cameroun n'a jamais vraiment eu des problèmes en tant que tel. Et vraiment, même après son départ là, restez sur la file de gauche pour continuer sur la 15. La A15? Oh, la A15, je suis sur la bonne main. Non, ceci. Donc, vraiment, c'est pas un groupuscule de personnes qui va faire que passer, voir que le père est déjà vieux et tout, qui va bientôt prendre sa retraite, qui vont organiser une, ça dit, une guerre tribale au Cameroun. Non. Moi, je dis non. Même si je ne viens pas au Cameroun, même si je ne fais plus rien au Cameroun, mais j'ai de la famille au Cameroun, j'ai des amis au Cameroun. Et nous sommes mélangés. Ouais. Quand je dis que nous sommes mélangés, c'est que nous sommes vraiment mélangés. Ici, il y a une guerre tribale au Cameroun, là, chacun va perdre. Donc, il ne faut pas encourager les gens qui ont déjà installé leur plan et tout. Et tout. Ils veulent qu'il y ait une guerre tribale entre nous. Parce que vous êtes quand même des personnes intelligentes. Regardez très bien ce plan. Ça veut dire que comme ma soeur Marie-Louise Baga a posté là, que j'ai repartagé tout à l'heure, là, c'est ça. Il faut qu'il y ait plein de sang. Vous avez vu les Tutsis et tout au Rwanda, ce qu'il y a eu là et tout. Et on a les ethnies là qui sont plus sauvages que les autres. Ah oui. Parce que les ancêtres avaient d'abord déjà fait le maquis. Donc ils savent. Donc, eux, c'est seulement les machettes de RH qui vont prendre. Donc, pardon, mes chers frères et sœurs. Mais il ne faut pas que ça passe par nous. Comme nous avons découvert ce plan machiavélique là, nous devons dire non. Ce qu'ils doivent seulement tous nous tuer. Et comme ils ne peuvent pas tous nous tuer, donc, nous demandons que M. Amoubelika soit libéré parce qu'il est innocent. Libérez-le. Votre plan a échoué. Voilà. Libérez-le. Prouvez un truc et tout. Arrangez-vous entre vous là-bas. Mais libérez-le. Voilà. Ça ne passera pas par lui. Ça dit, vous avez tellement mal calculé votre truc que vous pensiez qu'en prenant Jibon Mingo, quelqu'un qui est parti lui-même au Cameroun avait de l'argent détourné. Quelqu'un qui, depuis des années qu'il est ici, vous l'avez mis en prison là-bas au Cameroun. Dès qu'il est arrivé ici, il est contre vous. Maintenant, vous voulez l'utiliser contre vos ennemis. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas.
suis la meilleure dame. Restez sur la file de gauche. Mais quand vous êtes des sorciers, vous avez tout fait. Montez même, il y a un gars qu'on appelle Kalou Mbondé. C'est lui que même quand il part représenter le Cameroun à l'étranger, il me suit là-bas, il part dire au jury comment je suis sorcière, comment je suis machin. Restez sur la file de gauche. Je sais. J'ai insulté son travail. Donc, vous n'allez pas courir les têtes des Camerounais. Nous allons dans continuer à vivre dans la paix. Prendre la deuxième sortie sur le du général. Il travaille avec les Pamliques, il travaille avec les Aoussa, il travaille avec tout le monde. Et même après son départ, ça va rester comme ça. Voilà. Donc, moi, s'il faut élire un président ou bien il faut choisir un président à paix, c'est Franck Biya. Parce que les copes sont pleins. Ça, c'est un garçon humble. Et qui veut du bien à la jeunesse camerounaise. Mais vous êtes contre lui. Je le sais. Je ne suis pas marabout, mais je sais. Vous êtes contre lui, vous êtes là. Donc, les loups comme ça, là, moi, je me lave les mains. Il n'y a pas histoire de que ethnie a fait que ou bien machin et tout. Je ne suis pas là. Voilà. Donc c'est ça. Bonjour Emilienne, bonjour ma âme SS. Bonjour ma rose africaine. Voilà, je vous embrasse les filles. Donc la rose africaine, je bombarde les directs. Oh, les puissantes filles quand là. Vous me créez les pages, vous lancez les directs. On partage. On doit défendre notre grand frère. Ça ne doit pas passer par lui. Il ne vous a même pas dit qu'il va être président du Cameroun ou bien il va être quelque chose. Ce que lui veut, c'est faire du bien au Cameroun. Mais vous n'aimez pas que les Camerounais soient bien parce que c'est tout pour vous, rien que pour les autres. Oui, oui. Vous n'encouragez pas un Camerounais. Hein? À faire du bien aux autres Camerounais ou bien à faire du bien pour le Cameroun. C'est tout pour vous, rien que pour les autres. Non, 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 non. Vous mentez. Dans 400 mètres, voilà. Prendre à gauche nous sur Georges Boisseau. Nous tous, on peut se mettre maintenant derrière les caméras. Votre J-point que vous avez pris. Est-ce que vous savez que J-point Rémi Ngono est dans la tontine, se met avec les bordels ici, là, les vendeuses de piments, ici en main. Voilà un monsieur qui se place, il s'assoit chez lui, il prend la chaise, il pose dans une maison que c'est une vendeuse de piments qui perd les camions là-bas dans les forêts d'Orléans. La femme de J-point Rémi Ngono vend le piment. Vous prenez un monsieur comme ça, que c'est, vous pensez qu'on n'a rien sur lui. Hein? On a tellement de choses sur lui. Et moi, personnellement, j'ai tout. Si j'y prends Rémi Ngono du Cameroun jusqu'à nos jours. Et je vais partager ça. Je vais publier ça. Et vous allez comprendre que ce monsieur ne peut pas, c'est-à-dire, se mettre devant une caméra pour parler d'un monsieur comme Amoubeniba. Bien pour parler des Camerounais, pour dénigrer, pour insulter, pour ça dit, pour menacer les gens. J'y prends les photos de ta femme dans les camions de borderie ici en France vont sortir. Oui, comme ça les Camerounais vont voir quel genre de personne tu es. Si tu vis dans la vente de piment, normal que tu vives des sous qu'on va te donner, on va t'envoyer au Cameroun pour dénigrer, pour te mettre parce que tu as eu la chance de fricoter avec les médias ici parce que tu n'as même pas fait une école de journalisme où tu es là. Montre-nous un diplôme d'une grande école de journalisme que tu as fait depuis que tu es en France. Non, montre-nous. Journaliste, journaliste de caniveau, comme on dit. En fait, tu es un blogueur, c'est tout. On a un lanceur d'alerte, c'est tout. Et l'alerte avec le mensonge et tout pour cogner les têtes des Camerounais. Hein? Tu vis de l'agent de sexe où tu es là. Parce que tu es dans les tontines avec des Marie-Thérèse Ngoba bon. Prendre à gauche sur hein? Georges Boisseau. Qui les a reconnus officiellement qu'un marché qui a été condamné en France avec les bracelets. Une braqueuse. Une fille qui braque les Camerounaises ici en France qui vole. Tu es dans la tontine. Oui. Vous êtes dans une tontine. Lady Ponce avec toutes ses copines vendeuses de piments. Lélé là. Tu es dans cette tontine là. Moi j'ai cuisiné. Vous avez mangé. Oui, oui, elle était servie. Ta femme, je connais très bien. Agent de piment, que vous cotisez les 500 euros, les 1000 euros par mois. Toi, tu peux te mettre en public, tu parles. Dans 600 mètres, prendre à gauche sur le boulevard Victor Hugo. On dit souvent que, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Hein? Ta femme vend le piment, j'y prends. Vendez le piment. Ok.
j'ai pas envie de combattre quand ça me suit sur toi. Et cette semaine, tu seras convoqué par Interpol. Tu vas nous dire comment toi tu es au courant de l'assassinat du journaliste Martinez Zoum. 10 jours avant son enlèvement. Tu étais déjà au courant. Tu avais annoncé. Hein? Donc tu dois dire au monde entier comment tu as fait pour être au courant de cet assassinat avec tous les détails qu'on nous a donné là. C'est-à-dire, s'il y a une blessure là, si on a enlevé l'orteil, toi tu étais déjà au courant avant même qu'il ne soit kidnappé. Tu lui dis, tu fais d'aller direct pour dire qu'on va, comme tu fais pour l'autre là, à ici. À ici où tu es là, on va te tuer, comme ça. Hein? Et on va dire que ce sont les gens du Zongloa qui t'ont tué. On va te tuer comme on a tué ton collègue. Hein? Parce que vous êtes là, vous mangez des deux côtés. C'est pas parce que tu as les poids avec ton grand frère, que soit il t'a viré et tout, que tu vas aller te mettre avec ses ennemis. Ses ennemis, tu utilises seulement. Tu n'as pas fait à ici là. On t'utilise, une fois qu'on aura fini d'utiliser, on va te tuer. Oui. Et comme il a donné les détails là, c'est comme ça qu'on va te tuer. Tu as vu le prêtre, non? Le prêtre n'avait même pas donné les détails. Le prêtre a seulement dit que, oh, oh, je veux voir mes enfants. Ils ont fini avec lui. Donc, toi, tu es là-bas au Cameroun. J'ai point, lui se met ici, quoique il est en sécurité ici. La France, c'est le Cameroun. La région parisienne, c'est le Cameroun. Dans 150 mètres, prendre à droite sur rue Pierre Dreyfus. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà, moi je vais en rendez-vous. Je vous relance. Je dis même 10 directs par jour, on va faire. 10 directs. Voilà. Là, prendre je vais à droite Paris. Sur rue Pierre Dreyfus. Puis prendre à droite sur boulevard Victor Hugo. Voilà. Donc je vous embrasse, hein, mes gens. Dites à J.Rémy Monoko, mais. Mais Nenyambouille, je suis sur toi. On va se faire ça. Ça dit, les Camerounais ne doivent même pas t'écouter. Tu ne vaux rien, tu es zéro. Tu es un sale type. Tu fais du sale boulot. On va te montrer que le sale boulot, là, on peut le faire sur toi. Non, c'est un propre boulot que nous, on va faire. Puisque on va, ça dit, on va refaire, on va présenter ton ADN aux Camerounais. Oui. Et ça sera très sale parce que c'est ta vie qui est sale. Voilà. On te fait du propre, mais avec tes saletés. C'est ce que moi, je voulais te dire ce matin. Voilà. Parce que, quand vous êtes en guerre, utilisez les armes de vos adversaires. C'est comme ça. Donc, je vous redis que créez les profils. Vous attaquez tous les murs. Vous me mettez libéré Zongloa partout. Sur le mur d'Emmanuel Macron. Sur le mur du président des États-Unis. Sur les murs de toutes les grandes ONG du monde entier. Vous allez me coller le libéré à Mouboulinga là-bas. Je dis que vous attaquez, vous êtes en guerre maintenant. Voilà, ça c'est le cri de guerre que vous avez lancé ce matin. Créez les profils, vous faites les flyers. Libérez à Mouboulinga. Vous attaquez toutes les ONG du monde entier. Vous attaquez toutes les pages des chefs d'État et tout. Et tout. Ils doivent savoir qu'au Cameroun, il y a quelque chose qui se passe. Mathieu Yumbi avait dit ici il y a quelques années que moi, il peut déclencher la guerre au Cameroun. Voilà la guerre qu'il a déclenchée là. D'accord? Il a interdit à tous les gens de la base de ne pas prononcer mon nom. Comme oh, moi, j'ai un esprit de grand-mère qui m'habite et tout, qu'il peut déclencher la guerre au Cameroun. Voilà ça qu'il a déclenché là. Je vous ai dit que vous attaquez, vous partez le mur d'Emmanuel Macron, tous les ministres là, les ministres de justice de tout le monde entier, vous attaquez leur page, ils sont tous sur Facebook. Twitter partout, vous allez partout si vous voulez qu'on libère le grand frère. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà, j'ai rendez-vous. Dans 50 mètres, prendre à droite sur rue Pierre Dreyfus. Je suis un peu bourré parce que j'étais. Alors, faut recentrer le truc. Voilà. Donc je vous embrasse, hein. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous mes gens. Bisous. Créez les profils. Voilà. Les profils, cette guerre là, on va la gagner. Moi, je vous dis, ça c'est les qui ça? Vous venez en public, vous voulez tuer l'enfant de quelqu'un devant vous. Hein? Hey.
Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue Émile Noteur. Bon, mes gens, je vous embrasse, hein, parce que le GPS est le direct, comme je vais à un endroit que je connais pas. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard. C'est pour ça qu'il faut souvent mettre l'autre GPS. Voilà. Tu me ramènes ici alors que la route est barrée. Dans 150 mètres, prendre à droite sur rue Émile Noteur. Allez, 150 mètres, c'est ça. Allez, je vous embrasse, bisous. Prendre à droite sur rue Émile Noteur. Alors, à tous ceux qui viennent me parler, là, m'insulter, raconter les conneries et tout, je ne vous sers pas. Et je vais vous dire... 200 mètres, prendre à gauche sur rue Vincent. Mon fils n'est plus un bébé, c'est un grand garçon. Il a 7 ans. D'accord? Voilà. Et tu ne connais rien à ma vie. Toi, le faux profil là, va te faire foutre. Vos insultes et autres ne vont pas m'arrêter. Je porte un kawaii. Prendre un coup. Anti-insulte. Voilà. Je suis sur votre affaire. Vous êtes venu sur Facebook avec. On va sauf que gérer ça. Menaceux, insultaux, c'est pour vous. D'accord? Voilà. So, ciao. Maf, je peux bien dire que si c'était un bébé ange, mon fils sera dans vos sorcelleries du Cameroun. Mon fils est français et togolais. Si un jour même il veut faire la politique, ça sera au Togo chez lui. Il ne viendra pas dans vos sorcelleries là que vous allez partager. Dans 200 mètres. À gauche sur boulevard du Bois le Père. Dès qu'il y a un enfant de quelqu'un qui veut se lever et tout, vous montez les coups. Joigne. Il ne savait pas, même il vient mettre le nom de mon fils dans le bois. Il a tué. Vous avez les preuves. Montrez-nous les preuves. Jusqu'à preuve de concret, tout ce que vous nous avez montré là, c'est du fait. Prendre à gauche sur boulevard du Bois le Prêtre. Voilà. Puis prendre donc, à gauche ciao, sur rue Hélène et François Missoff. Voilà. Porte quoi.